سلطان نحن عبيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم استغفر مدد يا سيدي مدد يا رجال الله مدد يا سلطان الله يا سيدنا الشيخ شيخ محمد نازل الحقاني دستور مدد 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 الحق ولنا الشيخ هشام كباني دستور مدد يا صاحب الإمداد Louange au Seigneur des mondes, Allah Azza wa Jal, qui nous a honorés de tous les honneurs, qui nous a favorisés de toutes les faveurs. Et qui nous a accordé Hidayah. La bonne guidance à travers l'islam, la bonne guidance à travers le messager de l'islam, c'est le Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. La bonne guidance à travers le Coran Karim, la bonne guidance à travers les héritiers. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, Awliya Salihin. Pour que nous puissions avoir un discernement subtil. Souvent, entre la lumière et l'obscurité, la différence tient à un cheveu. Souvent, entre une formule gagnante et une formule perdante, il y a une lettre, un élément. Si dans la formule chimique vous mettez tel élément, vous avez le meilleur des éléments. Si vous mettez un autre, vous avez un scénario instable et destructeur. Et ce discernement, il est important chez l'humain, car l'humain, chaque instant, est propice à son ascension ou à sa chute. Et il ne faut pas avoir la prétention. Il ne faut pas avoir l'assurance. Il ne faut pas penser que nous ne pouvons pas tomber. Les prophètes ont fait des erreurs et cela leur a coûté. Shaitan, sa'idu billah, avant d'avoir son titre, le rejeté ou le maudit, avant qu'on le mette à la dernière place de la création, il était au premier rang. Et on dit qu'il n'a pas laissé une trace de main dans les cieux qu'il a parcouru ou il n'a pas fait le sage d'un Coran. Et il a acquis toutes les connaissances qu'il pouvait avoir. Ça s'est joué sur un petit détail. Sa chute a été la pédagogie numéro un d'Allah pour les humains. Et ce qui lui est arrivé au shaitan, sa'idou billah, nous court après tous les jours, jour et nuit, sans répit, que l'on le sache ou qu'on ne le sache pas. Ça court après nous, à travers le shaitan,
qui, après avoir fait sa chute, a juré de faire tomber tous ceux qu'il a enviés, les enfants de Sayyidina Adam, alayhissalam. Et plus que ça, Allah lui a donné des facultés incommensurables d'être présent avec chaque être humain à chaque moment, sans répit. Et il a donné des clés pour entrer dans le cœur de l'humain, dans sa pensée, et jouer le marionnettiste. Le marionnettiste. Vous avez vu comment le puppet master, le marionnettiste, comment il fait? Il lève la jambe, il lève la jambe, il lève le bras. Shaitan, il fait comme ça avec l'humain. Regarde ici. Voilà, il tourne pour regarder le haram. Va ici. Il va vers le haram. Goûte ça, c'est illicite. Touche ça, c'est illicite. Fais comme ça. Comme ça, tu vas faire mal aux autres. Ah, ça, c'est pas grave. Allez, personne ne te voit. Vas-y. 24 heures sur 7, il ne lâche pas l'humain, même lorsqu'il dort. Non? Vous rêvez? Vous n'avez pas vu la turbulence dans le rêve? Les shaitans, ils rentrent. Alors l'humain, il est, son potentiel est mirobolant, est absolument incroyable, ce que Allah lui a accordé. Allah lui a accordé d'être la créature choisie pour la représentation divine, le khalifa dans la création. Allah lui a accordé d'être l'élu parmi les créatures, l'a doté de volonté, de choix, mais il a dit à l'humain, tout ça a un prix. Tu ne peux pas mériter les honneurs, la gloire et la suprématie juste en étant confortablement assis. Même nous, parmi les humains, lorsqu'on prend un et on le met au sommet et qu'il n'a pas fait d'effort, on n'est pas d'accord. Il n'a pas mérité cette place. Quand on sait ce que les autres doivent faire comme effort juste pour être en bas. Alors, en islam, le futuwat, la chevalerie caractérielle, elle se gagne. Et Allah Azzawajal, qui a écrit le protocole pour les humains, nous l'enseigne à chaque verset du Saint-Coran, en nous enseignant l'histoire des prophètes et des messagers, comment ils ont cheminé, comment ils ont excellé, comment ils ont gagné le couronnement de leur prophétie. Et comment pour nous, il est important de les suivre. Et donc l'humain, Mawlana Al-Sheikh, il disait, il doit avoir une vigilance hors du commun pour celui qui est en quête vers chez son Seigneur. Il doit avoir une vigilance parce que pour lui c'est si facile de tomber. Là où le shaitan est tombé, là où les prophètes sont tombés, là où les awliyas sont tombés. On dit il y a l'épreuve du shaitan, les awliyas sont soumis. Sur 1000, il y a probablement plus de 900, 950, 975 qui échouent. Pour certains, on peut les rattraper, et pour d'autres, on passe le tour. Allah qui décide. Et il ne faut pas avoir la prétention de penser qu'on ne peut pas tomber.
Tout est une question de scénario. Chacun, il a sa limite. Chacun, il a son point faible. Chacun, si les faveurs d'Allah ne le protègent pas, le mal, la corruption, la tricherie peut trouver son chemin dans le point faible qu'il a et le faire tomber. Combien ont été au sommet, sont tombés. Pour un point faible. Pour un point faible, un point subtil. Alors cette vigilance de toutes les heures, Mawlana Lacher, il disait, il n'y a pas, comment ils appellent ça, shore of safety. C'est quoi, shore of safety? Un rivage du salut. La jatte du salut. Il n'y a aucun rivage pour la créature qui est sur cette terre. Même la plus parfaite. La plus parfaite des créatures, Sayyidina Muhammad Abdallah Salat wa Salam, il a versé les larmes avec Sayyidina Abu Bakr al-Sadiq radiallahu anhu. Lorsqu'il a dit, aucune créature n'a son statut sécur. En finalité, tout incombera à la miséricorde d'Allah. Sinon, personne n'est sûr de pouvoir accéder. Alors là, la chair, il disait une fois, ne sous-estimez pas la possibilité de la chute. S'il reste à ton nafs un souffle de vie, peut-être il peut encore te faire tomber. Donc tant et aussi longtemps que le serviteur, il n'est pas mort, il n'est pas mort avant sa mort, celui qui est mort avant sa mort, dans la spiritualité, chez Ahlullah, c'est celui qui a éteint Nafs. Il a éteint Nafs Amar Abissou, il a fait évoluer Nafs Lawama, il a fait évoluer Nafs Mutmainna, et il a fait évoluer, il a éteint le Nafs. Parce que Nafs Mutmainna, c'est ce qu'on demande pour le commun des gens qui évoluent. C'est un ego qui est soumis. Mais il y a l'ego qui est éteint. L'ego qui est éteint, chez Ahlullah, il dit c'est le burak. Une fois que cet ego s'éteint, comme un phénix, il se relève comme une créature sur laquelle tu peux monter et tu fais ton mirage. Tu fais une ascension, comme Allah l'a accordé au serviteur qu'il a choisi. Mi'raj, l'ascension céleste, prophète sallallahu alayhi wa sallam, elle est célèbre pour lui, mais nombre de prophètes l'ont fait. Ils ne l'ont pas faite dans cette envergure. Ils ne l'ont pas faite dans cette mesure. Mais nombre de prophètes ont eu l'ascension. L'un parmi, qui est fameux parmi eux, c'est Idris alayhi salam. De son vivant, il est allé visiter les cieux. Qu'est-ce qu'il faisait aux cieux? Puisqu'il est... Allah Azzawajal l'a fait élever dans les cieux pour aller visiter. Et comme il avait donné quelques années de sa vie, quand Sena Azrael est venu pour retirer son âme, il a trouvé qu'il est dans les cieux déjà. Et donc, on lui a retiré son âme, l'âme mortelle de ce monde, dans les cieux. Où est-ce qu'il est resté? Et où est-ce qu'il vit depuis? On dit qu'il est l'un des éternels dans les cieux avec ses Naïs, Jésus, que la paix soit sur lui. Ben Idris, Enoch.
Alors, cette vigilance est de toute mesure. Et ô combien la vigilance, celui qui est en quête de faire attention au amal, de faire attention et d'acquérir le premier caractère qui permet l'éligibilité. Le premier caractère qui permet l'éligibilité est celui qu'on a décrit chez le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Au-delà de la foi, de la décence, de la piété, de la droiture, on demande du serviteur qu'il soit digne de confiance. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est comme ça qu'on le décrivait. Mohammed al-Amin. Il était le digne de confiance. Il était celui qui, lorsque un bien lui est confié, lorsqu'un amal, un dépôt lui est donné en garantie, et le dépôt donné en garantie n'est pas forcément un bien matériel. Le dépôt donné en garantie, il peut être une position, une fonction. Quand on te nomme gouverneur, ou on te nomme raïs, ou on te nomme ministre, ou on te nomme régent, ou on te nomme imam, c'est une position de laquelle dépend beaucoup de gens. Une position d'autorité. Et il faut que tu sois digne de confiance. Pourquoi ? Parce que si tu n'es pas digne de confiance, tu vas utiliser cette position d'autorité pour abuser, transgresser, oppresser, prendre le droit d'autrui. Tu vas user de cette position pour avoir quelque chose qui ne t'est pas dû et qui va nécessairement faire mal à quelqu'un d'autre. Le dépôt de confiance peut être donc un dépôt matériel de ce que tu as déposé, peut être une fonction, et ceci est très important sur le chemin, parce que le dépôt de confiance peut être également un état spirituel. Un état spirituel à travers lequel on évolue et qui nous donne parfois quelque chose, qui nous donne une vision, qui nous donne... C'est pour ça qu'on dit, il a dit, faites attention à la vision du croyant, parce qu'il voit avec le regard de son Seigneur, le regard d'Allah. Il voit ce que les autres ne voient pas, il traverse les poitrines, il entend le murmure de la pensée. Pas tous les croyants, mais une certaine catégorie que Allah a choisi. Et donc, pour avoir un tel dépôt de confiance, il faut qu'on soit sûr que vous êtes Amin, que vous êtes de confiance, car si vous commencez à voir au-delà, alors vous pouvez avoir beaucoup de... Vous pouvez transgresser facilement. Le dépôt de confiance, il peut également être une parole ou une information ou même une connaissance. C'est Nakhidr alayhi salam, Allah Azza wa Jal lui a donné un océan de connaissances au-delà de la connaissance des prophètes, une connaissance, la connaissance, une connaissance d'une réalité autre. Et à cause de cela, cette connaissance vient avec un tel pouvoir. C'est Nakhidr alayhi salam, il est intemporel, il vit continuellement.
Il se déplace entre l'Est et l'Ouest où il veut. Il a le pouvoir d'apparence. Il a le pouvoir de multiplicité. Il a les clés de ce monde. Il peut changer tout ce qu'il veut. Il peut fermer telle chose ou ouvrir telle chose. Non? Il voit par le pouvoir de son Seigneur. Il voyait la destinée et comment changer la destinée sur l'ordre de son Seigneur. Comme l'exemple dans le Coran. Mais il est connu pour avoir les clés de ce monde. Il peut fermer les portes du bien, ouvrir les portes du bien ou fermer les portes du mal. Il peut, c'est lui qui disait une fois cet exemple, il dit il a un tel pouvoir que juste par le pouvoir de son doigt, il peut faire trembler la terre. Comment il a acquis ça? Sur ce que Allah lui a donné. Imaginez avec ce pouvoir, il a la moindre défaillance, aussi infime qu'elle soit, et que cette défaillance, comme celle du shaitan, se manifeste. Imaginez le scénario catastrophique pour la création. Parce que son pouvoir ne se limite pas à cette dunya, c'est d'un fédor, Allah lui a donné. La parole, le dépôt de confiance de la parole qu'on a entendue en privé, la parole qu'on a entendue de quelqu'un d'autre, la parole qu'on a entendue qui nous a été rapportée et nous savons que c'est un secret ou ça doit être gardé discret. Dès que nous la recevons, qu'est-ce qui se passe? On devient comme une cocotte minute. Ça commence à bouillir à l'intérieur, on a la pression pour faire sortir. Tu as des ronces. Non? Hommes et femmes. Et voilà, arrive la confession d'oreiller. Vous connaissez ça? C'est ce que j'ai entendu, tu ne croiras pas. Et qu'est-ce qui arrive? Subhanallah. Comme si Allah n'existe pas. Comme si votre prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il n'est pas hadir ou nadir. Comme si celui qui suit un cheikh, il pense que son cheikh, il est absent. Si le cheikh il est absent et il n'a pas la capacité de te suivre et de te guider, pourquoi tu as besoin de lui? Le cheikh, grand cheikh disait, un cheikh de guidance, Allah a mis un pouvoir dans son cœur où il voit et témoigne sur son disciple 24 sur 7. Et pour ceux qui les ont connus, pour ceux qui les ont accompagnés, pour ceux qui ont accompagné Mawlana Cheikh Nazim, combien de fois vous avez vu qu'il savait ce que personne ne savait à propos de vous, à propos de tout le monde, il lisait constamment ce qu'il y avait dans le cœur des gens. C'est pas compliqué, il connaît ton passé, il connaît ton futur. Et des fois, par nécessité, c'est des choses qu'il sortait, perplexe. Des fois, il donnait des leçons. Ce que tu as fait mon fils hier soir, c'est pas acceptable. Il n'y avait personne. Tu penses qu'il n'y avait personne? Des fois, ce que tu as rêvé l'année passée, ça s'est arrivé à Cheikh Abdel Haq. Il a fait un rêve. Et ce rêve l'a laissé perplexe. Il l'a laissé oublier. Un an après, il avait allé visiter Cheikh Nazim. Cheikh Nazim s'est débrouillé pour chasser tout le monde et se retrouver avec lui. Il a dit, viens ici. Il l'a serré dans ses bras. Il a dit, ça c'est pour le rêve l'année passée avec son père. Les gendarmes, si tu crois que ton cher a cette capacité, tu penses qu'il ne te voit pas, quand tu as
fait la transgression de dire ce que Allah a caché. Allah est à sa tâche. Quelle faveur pour nous? Non? À sa tâche, c'est quoi? C'est celui qui... C'est celui qui voile, celui qui cache. Qui cache quoi? Majoritairement les défauts, mais tout ce qui doit rester caché. Non? Allah Azzawajal, il ne nous a pas accordé cette faveur de cacher nos défauts, de cacher nos erreurs. Non? Si on devrait, on devait découvrir tout ce qu'on a dit, tout ce qu'on a fait, tout ce qu'on a pensé, qui aurait la facilité de s'asseoir avec l'autre et de le regarder dans les yeux? À qui? Il n'y a pas d'ange ici, on est entre humains. Nul, celui qui est ici, il n'est pas né parfait, dépourvu de cela. Sinon, il ne serait pas ici à écouter un conteur d'histoire comme moi. Il serait dans sa station spirituelle où le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, si tu atteins ce calibre-là, là tu sors de ce monde, il en met un autre. Parce que tu n'as plus de raison d'être dans ce monde. Allah est Satan, il est en Satan et il a caché. Les gens de la réalité, Ahlullah, ils voient avec la vision d'Allah. Et ils cachent. Nous, Wallahu Akbar. Ajib, j'ai entendu quelque chose. J'ai vu quelque chose. Tu ne croiras pas ce que je vais te dire. Des fois, quand on ne veut pas avoir l'air d'un... Comment on appelle ça? D'une pipelette ou d'un prince du commérage. On va emballer ça dans un scénario en disant... Subhanallah, je suis inquiet à propos d'une histoire. Ce que tu as dévoilé ne devait pas être dévoilé. Tu l'as fait, ton cher l'a vu. Celui qui porte ta guidance, il sait que tu n'es pas digne de confiance. Alors, on passe le tour pour l'instant. Il est arrivé à mourir. Il était assidu jusqu'au bout des doigts sur tout ce qu'il faisait. Assidu, mourir assidu. Mais il avait ce défaut. Et il attendait de son cher. Au cher. Il attendait à l'aman, hein, qu'on lui donne son secret. Qu'on dépose en lui le secret. Tout le monde espère. N'est-ce pas? Même celui qui est humble, qui dit non, moi je veux rien, mais tu espères la satisfaction d'Allah. Tu espères t'élever dans sa présence. L'élévation dans sa présence, elle vient avec une ouverture, elle vient avec une station, elle vient avec une capacité. C'est ce que nous voulons la proximité d'Allah. Mais une fois que vous avez la proximité d'Allah, Allah l'a décrit. Celui qui a mon attention et que je l'aime particulièrement, il voit avec mes yeux, il entend avec mon ouïe, il parle avec ma bouche, il agit avec ma main, il marche par mon pas, il invoque, j'accepte et j'accepte. Et dans une autre version de cette narration, il peut dire à une chose soit et elle est. Kun fayakun. Non, vous n'avez pas vu des humains, Kun Fayakun, vous n'avez pas vu des humains relever le mort. Qui a relevé le mort? C'est Naïs alayhi salam, Jésus que la paix soit sur lui, cette histoire est fameuse. Le prophète alayhi salam. Il a relevé le mort, un enfant qui était mort brûlé d'un des compagnons. C'est Inadulkif, qui est enterré à Damas. Lui, il a ordonné aux morts de sortir. Toute la vallée, tout ce qui était mort dans cette vallée sont ressortis. Et se sont remis à marcher. Il les a utilisés pour le combat, après ils sont retournés.
Kun fayakun, par quoi? Par quel pouvoir? La puissance et le pouvoir de son Seigneur. Alors, ce cher, ce disciple, il était, son cher, il voyait qu'il avait fait beaucoup d'efforts. Il voulait recevoir quelque chose, comme secrètement, nous tous, on espère avoir satisfaction de ceux qui ont les clés. Parfois c'est le cher, parfois on espère que le prophète sallallahu alayhi wa sallam va intercéder, parfois ce que Allah peut nous ouvrir, on espère. Quel qu'en soit le wasila, le chemin ou le moyen qu'on utilise, chacun a le désir secret d'une ascension chez Allah. Alors, son cher l'appela et lui dit, je vois que tu es prêt. Je t'ai choisi pour aller chez un des pôles de notre temps. Toi seul peux avoir cette mission. Tu vas voyager, j'ai quelque chose à lui remettre pour que tu ailles en sa présence. Et tu es le seul éligible de cette confiance pour moi. Va chez lui, transmets-lui ce que je te donne. Il va t'habiller d'une réalité. Reviens et tu seras éligible pour ton secret. Quelle nouvelle! Alors le chef lui remit un paquet, quitta avec discipline. Sur le chemin, il entend dans le paquet quelque chose qui gratte. Il continue son chemin. Et toujours, il entend un bruit, quelque chose qui gratte. Il est perplexe. Il garde sa discipline et continue. Et après un certain temps sur le chemin, il est curieux, il ouvre la boîte. Légèrement, peut-être il y a quelque chose. Dès qu'il a ouvert la boîte, qu'est-ce qu'il y avait dedans? Une petite souris comme ça. Hop, elle a sauté de la boîte, elle s'est échappée. Il a refermé la boîte. Il est sûr que c'était pas ça le amana qu'on devait amener là-bas. Peut-être la souris, elle s'est glissée. Et il a fait le voyage. Il est arrivé chez ce couteau de son temps pour dire, le cher m'a envoyé pour toi un amana. Et le cher, l'autre cher qu'il a reçu, a pris le amana. Il a dit, retourne au cher et remercie-le. Il a dit, mais ce que tu cherches, tu n'as pas réussi à garder un amana pour une souris qui grattait dans une boîte. Et tu veux qu'on t'inscrive pour ceux qui ont les clés de ce monde. Ça, c'est notre état. C'est notre situation, nous tous. Combien de fois cette langue va nous perdre? Combien de fois nous devons faire attention? Si elle ne nous perd pas aujourd'hui, elle va nous perdre le jour de la rencontre. Tous les jours, elle nous freine pour l'avancement spirituel. C'est pour ça que c'est Abou Bakr al-Sadiq, il a tiré sur sa langue. Il a dit, oh combien tu m'as mis dans le trouble. Quel trouble! Et quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a donné un exercice spirituel, qu'est-ce qu'il lui a donné comme exercice? Il a mis un caillou dans sa bouche. Cette année, il enlève le caillou pour faire le wudu, pour manger, pour réciter la prière, pour dormir. Tout le reste du temps, le caillou était dans sa bouche pour qu'il soit silencieux.
C'est pour ça qu'on le décrit comme presque l'ange du prophète sallallahu alayhi wa sallam, toujours en retrait et silencieux. Il a passé 7 années avec une pierre dans la bouche. Ça, c'est des parties de la tarbiya, de l'éducation spirituelle qu'on oublie de nous raconter. Comment ils ont été éduqués spirituellement par le prophète sallallahu alayhi wa sallam, les compagnons. Et sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, celui qui peut me garantir ce qu'il y a entre ses deux mâchoires et ses deux jambes, je lui garantis Jannah. Mais Jannah, c'est l'accomplissement dans la Akhira. Ces mêmes conditions sont nécessaires. Pourquoi ? Pour l'accomplissement ici-bas. Et garantir ce qu'il y a entre les deux mâchoires, c'est la langue, c'est le parler. Garantir cela, en quoi ? En disant la vérité, toujours. Et en s'abstenant, namima, reba, le colportage, la médisance et toutes les autres choses. D'abord, le mensonge, il est courant. Une petite chose ici, non, bah, allez, c'est pas grave, c'est notre nature. Et dès que la parole est déposée sur notre oreille, à peine elle est rentrée que la cocotte, elle commence à bouillir. Il faut que je trouve. Comme le général de Sénat, de Dholkarnayn. Dès qu'il a vu que Sénat Dholkarnayn avait des cornes, la cocotte, elle a commencé à bouillir. Sénat Dholkarnayn lui a dit, si quelqu'un sait, je sais que c'est toi, je te ferai exécuter. Ce que j'ai vu, ça ne peut pas rester en dedans. Ça tourne dans sa tête. Le sultan, il a des cornes. Amir al-Mu'minin, le prince des croyants, il a des cornes. C'est pas une petite chose. Vous savez que c'est dans Zulkarnayn, il avait des cornes. Ces cornes, c'était quoi? C'était la manifestation de quoi? Sa puissance. Comme un minotaure, une puissance extrême. Alors, qu'est-ce qu'il a fait, ce général? Il est parti dans le désert. Il a mis sa bouche dans le sable. Il a dit, le souverain, il a des cornes. Il a sorti la bouche du sable. Au moins, il l'a dit. Même si personne n'a entendu, il l'a dit. Maintenant, il se sent allégé. On est comme ça, j'ai déjà dit. On a cela en nous. Quand on entend, il y a quelque chose qui pousse, il faut que ça sorte. Et il est rentré. Il était satisfait. Mais Allah avait d'autres plans. Là où il a mis la bouche dans le sable, le roseau, il a poussé. Et il y avait un berger qui passait par là, il a vu ce magnifique roseau qui pousse. Oh, il l'a coupé, il l'a taillé, il a fait une belle flûte. Et il a commencé à jouer avec. Quand il est arrivé en ville, elle était prête. Et dès qu'il a commencé à jouer, le roseau a commencé à chanter une mélodie. Le sultan a des cornes, le sultan a des cornes. Et la mélodie s'est propagée. L'instant de le dire, toute la ville savait. Ils sont venus dire à Sayyidina Dholkarnayn, et à Sultan, voilà ce que toute la ville dit. Ce matin, personne ne disait ça. Aujourd'hui, toute la ville sait. Qu'est-ce qu'il a fait? Toi et moi, on aurait fait quoi? Voilà, on aurait chassé le général Lacour. Il l'a dit, je te mets à mort si quelqu'un le sait. Tout de suite, dès que c'est arrivé, il est allé en s'achetant. Il a compris. Il a dit, ah, mais Tawba, si c'est ta volonté, Tawba. Il a fait s'achetant. Il a dit, j'accepte. Ça n'a pas changé sa stature. Ça l'a rendu plus grand. Et Allah avait fait pousser des cornes, et pour cacher les cornes, il avait mis le turban. Donc il était des prophètes rois qui portaient le turban. Qu'Allah Azzawajal nous pardonne pour le amana que nous n'arrivons pas à garder.
surtout cette langue, et qui nous rend constamment inéligibles à la confiance, qui nous rend constamment inéligibles à la nomination sur le poste de confiance. Qu'Allah nous pardonne, nous guide, nous accorde son support. Il a fait un petit avis de Fatih.